Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité. À la une de l'information locale, nouvelle semaine de grève à la Colas. Après plus de 2 mois de conflit, toujours pas d'ouverture de dialogue entre direction et salariés. Salariés qui, ce lundi, manifestaient du côté de Mamoudzou. Nous parlerons également loisirs, où toutes les communes de l'île s'organisent pour s'occuper à l'occasion de ces grandes vacances, comme à Pamandzi, qui a vu l'ouverture d'un centre de loisirs ce lundi matin. Le point avec Henri Bedja, directeur de la culture et de la communication de la mairie de Pamandzi. Voilà les points qui seront abordés lors de cette édition de ce lundi 10 juillet 2017. Bienvenue à tous, voici les titres de votre JTM. Nouvelle mobilisation des salariés de la Colas. Ce matin, ils manifestaient en soutien aux camarades gazés la semaine dernière lors d'échauffourées devant le siège du groupe. Un conflit qui entre dans sa 10e semaine, mais auquel le secrétaire général de la CGTMA, Salim Naouda, espère mettre fin rapidement. Explication. Vous l'avez sûrement croisé dans les foires de l'artisanat ou au marché de Coconi. Jay, plus connu sous le nom de Calbas Ja, est artisan d'art. Coco, fruit du baobab, Calbas, il crée des objets utilitaires et décoratifs à partir de matières végétales. Nous avons souhaité en savoir plus sur sa technique et sa démarche artistique. C'est le portrait de cette édition. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, ce samedi au plateau de Cavani s'est déroulée la première journée du camp Kadri. Plus de 70 jeunes de différentes catégories et de différents clubs de Lille ont pu apprendre les fondamentaux du basket avec l'aide de plusieurs coachs confirmés. Reportage à la fin de votre journal. On débute cette édition par la situation à la Colas, 10e semaine de grève et toujours pas de sortie de crise en vue. Ce matin, les grévistes manifestaient une nouvelle fois à Mamoudzou, en soutien notamment à des salariés gazés par des agents de sécurité suite à des troubles devant le siège la semaine dernière. Aujourd'hui, une nouvelle version de l'affaire où du côté de l'agence de sécurité, prestataire et en charge de la sécurité au sein de la Colas, on dément catégoriquement le gazage en direction des grévistes. Le point dans ce reportage, les images sont signées Pierre Bellucci. Nouvelle mobilisation des salariés de la Colas. Ce lundi, les agents de la firme manifestaient dans les rues de Kaweni en soutien à leurs camarades victimes de gaz lacrymogène des services de sécurité la semaine dernière. Aujourd'hui, le directeur de la société de sécurité en question se défend. Moi, je dis qu'il n'y a jamais eu gaz sur les grévistes de la Colas. Ça veut dire quoi? Qu'il y a quand même eu gaz, mais pas sur les grévistes. Il n'y a pas eu gaz sur les grévistes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un engin de la Colas, un camion qui passait sur la route nationale. Notre agent était positionné à l'entrée de la Colas. À ce moment-là, les grévistes se sont rendus compte qu'il y avait un camion qui passait. Ils se sont jetés sur la route et sur le camion. Il y a bien eu du gaz suite à menaces verbales de mort, menaces avec armes, etc. Il a prévenu, si vous venez vers moi, si vous tentez de m'agresser, je vais me défendre. En fait, il a fait un tir de sommation en l'air. Il a fait un tir de sommation avec du gel. Ouais. De leur côté, les employés de la Colas campent sur leur position et affirment à nouveau avoir bien été la cible de l'agent de sécurité. Des grévistes qui aujourd'hui estiment être oubliés, notamment par les élus, désormais dans leur viseur. Ce sont les Maorés qui tuent leurs camarades Maorés. Mais ce n'est pas les Muzungu, c'est faux. Parce que moi je regarde, ils sont où les autres syndicats qui revendiquent pour les salariés? Ils sont où? Ils ne sont pas là. Nous on est allés jusqu'au conseil général, ils sont où les élus Maorés? Que leur population est en train de souffrir et ils ne sont pas là. Comment ça se fait que leur pays il est en situation difficile et ils croisent le bras? Mais il y a quelque chose qui se cache derrière les élus et la société Colas. C'est inadmissible ce qui se passe ici à Mayotte. Après avoir été reçu notamment par la ministre des Outre-mer lors de son séjour en métropole, le secrétaire général de la CGT Mayotte, présent au siège de la société ce matin, espère enfin une réelle ouverture des négociations
pour une sortie de crise. Nous espérons qu'avec les échanges que j'ai eus au niveau national, nous allons ouvrir des négociations, choses et des promesses qui ont été prises par le ministère des Outre-mer, qu'il va y avoir des négociations au niveau local pour faire évoluer la situation. Et j'espère que les jours à venir, nous allons engager des négociations pour sortir de ce conflit, pour qu'il y ait des droits pour ces salariés. Ce mardi, le conflit au sein du groupe du BTP devrait atteindre sa 10e semaine. Environnement à présent avec l'arrivée à Mayotte depuis le début du mois de l'association Sea Shepherd dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le braconnage des tortues. Alertée par les derniers massacres dans le département, l'ONG a prévu 3 mois d'occupation systématique des plages de Pointe-la-Nuit afin de chasser les braconniers. La mission s'avère cependant périlleuse, en témoigne la nuit de vendredi dernier où l'une des équipes a été attaquée lors d'une patrouille sur la plage de Moya. Le débat sur le manque de réaction des autorités face à ce fléau est aujourd'hui relancé. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Jérôme Comand. Attention, les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité du public. En 2016, et selon le réseau d'échouage mahorais de mammifères marins et de tortues marines, près de 300 tortues ont été tuées sur le département. Un chiffre qui a fait réagir la Sea Shepherd, une ONG qui a pour but de préserver la biodiversité marine. Présente à Mayotte depuis quelques jours, vendredi une équipe s'est faite pister sur le chemin qui relie les deux plages Moya 1 et Moya 2 par un luxueux 4x4. Les bénévoles ont ensuite été caillassés et leurs voitures brûlées. De quoi laisser penser qu'un trafic juteux et très bien organisé a pris forme sur l'île. Ça m'étonne aujourd'hui parce que les choses ont pris une autre ampleur. Mais depuis très longtemps, les braconniers n'ont jamais, ils sont pas en général les consommateurs. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on connaît plus ou moins ces réseaux parce que ça se passe dans des, la vente se passe quand même dans des grandes villes. C'est pas le petit village de la Brousse, mais ces viandes-là sont bien consommées dans des grandes villes avec comme des grandes personnes. Comme Mamoudzou, mais comme aussi Petite Terre, avec des grandes personnes qui, pas au niveau des restaurants, mais c'est en général des viandes de fête. En tout cas, c'est commandé, c'est par commande. Si les braconniers qui tuent les tortues sont souvent des individus en situation de précarité, ceux qui les leur achètent semblent très aisés. Pour Atoumani Aruna, le conservatoire du littoral, le parc marin ou encore le conseil départemental, sont responsables de cette situation de par leur manque de réactivité. Ça prend une ampleur grave parce que d'autant plus qu'on est sur une réserve protégée par les trois partenaires que je viens de citer. Ouais. Moi maintenant c'est vrai que on peut pas se limiter, ils peuvent pas nous faire peur en fait ces braconniers. Il faut dans ce cas-là doubler, tripler les moyens de faire en sorte d'abord protéger ces animaux, mais faire respecter ces lieux parce que quand on dit que c'est une réserve, ça devait l'être en bonne due forme. En effet, la question de la volonté politique se pose à l'heure où les autorités souhaitent inscrire le lagon mahorais au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je rappelle qu'à La Réunion, il y a quelques années, ils ont massacré les tortues. Aujourd'hui, au Colenia, ils essayent de faire 2-3 élevages. Et dès qu'il y a une ponte de tortues à La Réunion, c'est un événement extraordinaire. Toute la presse nationale en parle. Ouais. Donc nous, on a environ une petite quarantaine de sites de ponte de tortues. On n'est pas foutus avec le problème de chômage qu'il y a, de créer de l'emploi, parce que il n'y a pas une volonté. Et pour moi, il manque une volonté manifeste politique de la protection de la nature chez nous. Selon les mots de l'ami SM Lali, la présidente de la Sea Shepherd France, la France a abandonné Mayotte, nous n'abandonnerons pas. Un message clair qui aura peut-être le mérite de réveiller les autorités. Environnement toujours avec une nouvelle cette fois-ci beaucoup plus heureuse. Il s'agit de la labellisation de l'aire marine de Pamandzi, projet éco-citoyen de protection du milieu marin mené par les élèves de la classe de CM1 de l'école de Pamandzi 2. Et pour en parler de ce beau projet, le directeur de la
culture et de la communication de la mairie de Pamandzi. Place à l'invité de la rédaction. Bonsoir Henri Béja. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Des élèves récompensés justement pour protéger le milieu marin. On vient de voir ces images. Est-ce que ça ne gâche pas tout un travail? Non du tout, parce que comme vous l'avez vu, il faut sensibiliser la population. La communication, c'est tous les jours. Il ne faut pas s'arrêter à un projet, à une action menée un jour et puis on arrête et puis on recommence une année après. Mais la communication commence aussi par sensibiliser les plus jeunes. On a vu cette action qui a été accompagnée par les naturalistes de Mayotte. D'ailleurs, je remercie Madame Ève Denecher du pôle animation des naturalistes qui a encouragé ses enfants de la classe de CM1 de Pamandzi 2 avec leur enseignante Madame Virginie Thibault. Un travail qui a été mené durant une année. Et donc, c'était surtout pour les faire comprendre que l'environnement naturel, c'est important pour eux, c'est important pour nous, c'est important pour notre avenir. Sensibiliser les jeunes à partir de 5, 6, 7, voire 10, 11 ans, c'est faire des citoyens vraiment soucieux de leur environnement et soucieux de notre nature. Une grande fierté de voir ces élèves, ces enfants justement sensibles face à au milieu marin. Par rapport au milieu marin, pardon. Une fierté pour Pamandzi, une fierté pour les élus de la commune. Vous savez, quand il y a eu cette idée de lancer ce genre d'opération, de suite, toute l'équipe municipale a applaudi et a suivi. Et là, cette récompense, la labellisation de la première aire marine éducative à Pamandzi est une fierté, bien sûr, pour les Pamandziens, mais aussi pour Mayotte, parce qu'il faut penser aussi à un niveau territorial pour mieux valoriser notre île au-delà de nos frontières. Alors, Henri Béja, vous n'êtes pas là que pour nous parler des milieux marins, mais vous êtes là aussi pour nous parler de cette grande fête qui s'organise à l'occasion de ces grandes vacances du côté de Pamandzi. Alors, depuis le début justement de ces vacances d'été, plusieurs événements animent votre commune. Alors, le programme reste riche en animation. On parle de sorties pédagogiques, de fêtes du livre, de fêtes nationales du 14 juillet, avec une animation de parachutisme ou initiation, je ne sais pas. Alors, un agenda plutôt chargé pour ces vacances. Hein. Bien chargé. Je vous invite à venir chez nous. À partir d'aujourd'hui, par exemple, nous avons ce centre de loisirs qui accueille près de 80 enfants à Pamandzi, avec des sorties ciné, des sorties au musée, des activités sportives de tout genre, des activités manuelles aussi durant 3 semaines jusqu'à la fin du mois. Vous avez aussi d'autres centres multisports qui vont ouvrir la semaine prochaine, des centres aussi dédiés à la nutrition alimentaire, comment bien manger, sensibiliser les jeunes à bien manger et surtout pratiquer une activité sportive régulière. Penser au bien-être du corps. Alors, quel est l'objectif de ces projets mis en place avec plusieurs associations de la commune de Pamandzi? C'est la cohésion. C'est la cohésion de notre territoire. C'est montrer aussi qu'il y a un dynamisme qu'il faut relancer. Et nous sommes là pour accompagner les associations. La mairie fait le nécessaire chaque année pour que ces associations puissent avoir du matériel, puissent avoir un suivi financier quand cela est possible, même quand la situation, vous le savez, peut parfois être difficile, mais nous faisons le nécessaire pour que chacun puisse avoir une part active dans la contribution au développement de notre territoire. Alors, Henri Béja, vous êtes connu pour être la voix qui nous réveille tôt le matin du côté d'une radio, Radio Première, Mayotte Première, pardon. Alors, vous êtes tout nouveau également, le tout nouveau directeur de la culture et de la communication de la mairie de Pamandzi. Quelle politique voulez-vous mener à la tête de ce service? S'inscrire dans la continuité, en pensant à la tradition qui nous a fait grandir, qui nous a nourris, qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, et aussi montrer un visage nouveau de Pamandzi, avec des projets ambitieux, des jeunes qui en veulent, mais aussi une ouverture d'esprit pour que Pamandzi retrouve son aura d'antan. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Qu'est-ce qui vous a attiré justement dans ce projet? C'est la proximité auprès de la population. Dans mon métier d'animateur, tous les jours, j'écoute, j'entends aussi tout ce qui se passe à Mayotte. Je parle avec tous les auditeurs, très proches d'eux. Et c'était pour ma part une façon aussi de pousser un peu plus loin ma contribution au développement de mon territoire, de ma ville qui m'est très chère, Pamandzi.
C'est important pour vous de vous engager justement dans dans le développement de votre commune? Bien sûr, puisque cette ville m'a tout donné. Elle m'a vu naître, elle m'a donné la chance d'être scolarisé et par la suite j'ai poursuivi des études supérieures. Je travaille à Pamandzi en Petite Terre. J'ai aussi des ambitions pour ma ville et pour moi c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui je donne un peu de ce qui m'a été donné pour les autres aussi, pour que la jeune génération puisse s'émanciper. Alors, Pamandzi, jusqu'à la fin des vacances, pour les oui, deux mois bien après, sûr. il y aura ce grand événement. Vous espérez que Pamandzi doit ressortir comment de ces grandes vacances? Sereine, sereine, reposée et prête à affronter tous les défis. Et je vais revenir au programme qui nous attend durant ces 2 mois. Le 14 juillet, vous l'avez dit, il va y avoir une activité au stade de foot de Pamandzi avec un saut en parachute. Et ça va être vraiment génial à 16h, une belle initiative, juste avant le coup d'envoi des matchs de vétérans opposant Pamandzi et l'abattoir. Dans la matinée, il va y avoir des ateliers sportifs avec des jeunes et bien sûr la récompense des élus après le match des vétérans l'après-midi. Nous allons poursuivre avec la fête du livre. La fête du livre, une initiative du ministère de la Culture et de la Communication, orchestrée ici à Mayotte par l'Agence régionale du livre et de la lecture. Partir en livre, c'est du 11 au 27 juillet. Et chez nous, à Pamandzi, ça sera le 20 juillet, place des congrès à partir de 18h. Pour vous donner un avant-goût, Sony, je vais vous lire ceci. Je vous en prie. Bien. Lorsque Jean est né, tous l'ont cru mort. Alors qu'on emmenait son corps, l'enfant poussa son premier cri. Un premier cri qui ressemblait fort, si fort, à un miaulement qu'on le surnomma Jean Pissot, l'enfant chat. Jean Pissot devint un enfant espiègle et un prodige de l'accordéon. Ce sont ses aventures malgaches illustrées sous vos yeux et mises en musique par Jean Pissot lui-même que nous vous proposons de venir regarder, de venir découvrir, surtout de vivre ensemble jeudi 20 juillet à partir de 18h à Pamandzi. Là, je suppose que petits et grands espèrent bien justement sûr, vous bien voir sûr. Faire cette lecture ce jour-là. Ce sera le cas ou pas? On verra bien, mais j'y serai en tout cas. Un programme, un agenda à ne surtout pas manquer un pour petits et grands. À ne surtout pas manquer. Ensuite, vous aurez par exemple aussi un concert de Toufan, l'artiste international originaire du Togo. Et pour fin août, un événement d'envergure, ça sera l'élection de Miss Mayotte à Pamandzi, toujours place des congrès, ça sera le 25 août, ça sera un vendredi. Donc là, nous invitons toute Mayotte à venir encourager les plus belles filles de notre île. Le rendez-vous est pris. Merci, Henri Béja, d'être passé par ce 19h. Merci à vous et n'oubliez pas, Pamandzi, vous serez toujours le bienvenu. Et on compte bien y venir. Merci encore, Henri Béja. Un instrument à présent, la calebasse, objet utilitaire incontournable au quotidien en Afrique et aujourd'hui très prisé et recherché dans le domaine de l'artisanat dans notre département, notamment par les artistes comme l'artiste local Lovadje, plus connu sous le nom de Calebasdja. Nous sommes partis à sa rencontre afin d'en savoir plus sur sa technique et sa démarche artistique. Découverte de l'artisanat Dja d'art Rastafari avec Adèle Laurent. D'abord, en voyant la forme de la calebasse, je me suis décidé à faire une petite lampe. Donc j'ai commencé par faire des ronds que j'ai dessinés. J'ai mis le trait là où je vais scier plus tard en dernier. La dernière opération, c'est le sillage. D'abord un petit trait fait au tournevis, manière traditionnelle africaine. Et donc après, j'ai continué avec ma Dremel à main levée. Ça fait longtemps que je fais ça. Voici l'outil indispensable pour faire des traits très très fins. C'est un petit clou bien bien affûté. C'est comme ça qu'on fait si on n'a pas d'électricité, si on n'a pas de machine surtout en fait. Donc après avoir gravé, j'ai rempli de blanc pour avoir deux couleurs déjà sur ma petite calebasse. Et là on va arriver à l'étape du perçage. Il y a différentes tailles de trous pour filtrer la lumière différemment. Et vous donne des petites teintes et qui précisent le motif quand la lampe va s'allumer un petit peu plus tard. Et vous allez voir que c'est 10 fois plus joli quand c'est allumé, quoi. À vous de juger, quoi. Jay est un artisan d'art. Cela fait 20 ans qu'il travaille à partir de matières végétales, particulièrement sur la coco, le fruit du baobab et la calebasse.
Lampes, boîtes, sacs, paniers, sacs à main, mais aussi percussions nayabingi jamaïcaines, ses créations sont 100% naturelles, à l'instar de sa philosophie de vie, visant à vivre en harmonie avec la nature. Le pied de ma lampe, c'est un fruit du baobab qui a bien sûr été retravaillé, poncé, traité à l'huile de lin parce que j'utilise pas des produits chimiques, toujours je reste à fond dans 100% à la nature. Voilà, après je fais mes petites entailles sur ma calebasse et je la pose dessus, quoi, en fait. Donc calebasse sur fruit du baobab, 100% naturel, végétal, made in Mayotte. Carte de Mayotte, tortue, baleine, mais aussi carte du monde, mandala et dessin spirituel. Ses motifs sont variés. En moyenne, cela lui prend 8 heures pour travailler une calebasse. Mais l'artiste travaille avec passion et met tout son cœur et sa bonne énergie à concevoir ses créations. Et Jay n'a pas choisi la calebasse par hasard et se dit prêt à transmettre son savoir-faire. Si quelqu'un veut apprendre à faire un tambour, à faire une calebasse, il est bienvenu à la maison, je le fais de temps en temps, quand on a le temps, bien sûr. C'est un savoir ancestral, c'est africain. En Afrique, il y a des siècles et des siècles, on utilise déjà la calebasse pour baigner les bébés, pour faire les réserves d'eau, les réserves de lait, les réserves de sel, avant l'ère du plastique et l'ère de cette consommation abusive. Là. Plus les années passent et plus ça se perd et ça se perd, donc... Moi, je suis content de préserver ces traditions, même si ce n'est pas mes traditions, moi, de petit Mzungu de France. Il ne faut pas perdre les fondamentaux, tout vient de la nature. Il faut retourner aux sources. Ce n'est pas le béton, ce n'est pas l'argent qui doit diriger le monde, c'est l'amour, la paix, la tolérance. Il ne faut pas perdre toutes ces vieilles traditions, toutes ces cultures, parce qu'il faut que le monde change. Quoi. Ça ne peut pas marcher là, comme ça marche comme ça. Donc voilà, on milite à notre manière, à notre petite échelle. Chacun fait comme il peut. Moi, je m'exprime comme ça avec ma musique, mon artisanat. Et en essayant de transmettre de bonnes énergies aux gens avec ce que je fais. Et ma mission est déjà remplie si j'arrive à faire ça. L'art comme moyen de militer contre la société de consommation et de promouvoir la nature et les traditions. Car, comme le dit la merveilleuse légende du colibri, chacun peut faire sa part. Il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ils ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri, alors lui, à l'occasion de cet incendie, ben, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et il repart, donc il s'active. Et à un moment, le tatou, énervé par ce mouvement, lui dit mais qu'est-ce que tu fais, colibri? Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec tes gouttes d'eau. Et le colibri qui répond, je sais, mais je fais ma part. Un dernier mot sur la grande fête de Pamandzi avec qui nous parlons tout à l'heure avec Henri Béja. Alors pour tout renseignement, retrouvez le programme, l'agenda sur la page Facebook de la mairie de Pamandzi ou contactez le service Culture Animation au 02 69 60 12 82. Bientôt 19h24 sur KTV, merci d'être avec nous. Séance de sport en dernière partie de votre journal avec l'ouverture officielle dans le département du camp Kadri, grand projet du basketteur professionnel Kadri Mwindadze. Mais d'abord, le reste de l'actualité, en bref, avec Pierre Bellucci. À l'occasion du 42e anniversaire de l'indépendance des Comores, Azalia Soumani a reçu les maires comoriens et quelques maires français. Les maires du 101e département n'étaient quant à eux pas conviés, quelques jours après l'échec des assises de la coopération décentralisée. Quoi qu'il en soit dans son discours, le président comorien a appelé à renforcer la coopération décentralisée avec les collectivités françaises. Un souhait partagé avec le président français Emmanuel Macron, qui a écrit à son homologue en ces termes, je cite, « Avec votre concours, je suis déterminé à poursuivre ce dialogue franc et constructif et à tisser des liens encore plus étroits entre nos deux pays et nos deux peuples. Comme nous en sommes convenus, le Haut Conseil paritaire devra pouvoir se tenir dans les meilleurs délais pour amorcer un travail commun au service du développement économique et social de l'archipel. Après des années d'immobilisme, le contact semble donc être renoué avec le pays voisin. Depuis la nuit du 22 au 23 juin dernier, Marie-André Moudiapin, majeure sous tutelle, a quitté le domicile familial de Sada et n'a plus donné signe de vie. De type réunionnais indien, elle est âgée de 37 ans, mesure environ 1m60 et porte de longs cheveux noirs. Les recherches engagées par la gendarmerie sont restées pour l'heure infructueuses et inquiètes au plus haut point. En effet, les jours passent, mais la jeune femme reste introuvable. La préfecture relance donc son appel à témoins et indique que toute information permettant de faire avancer les recherches
doit être transmise à la gendarmerie de Sada chargée de l'enquête en composant le 17 ou le 02 69 62 19 22. A noter que ce type d'avis de recherche a permis de retrouver Mélissa Oumadi, une jeune fille âgée de 12 ans qui avait disparu le 19 juin dernier dans le village de Combani. Pour tous les usagers de la barge, le STM informe que des travaux d'installation de portiques vont être effectués dans les gares maritimes de la Petite et de la Grande Terre du lundi 10 au mardi 18 juillet inclus. Ces travaux qui sont destinés à améliorer l'accès aux gares peuvent occasionner des perturbations. Le STM présente donc ses excuses pour les désagréments susceptibles d'être occasionnés et demande à l'ensemble des passagers de respecter toutes les consignes de sécurité qui seront mises en place lors des travaux. En clair, il conviendra d'être patient et compréhensif et de s'y prendre à l'avance pour barger, notamment pour les personnes se rendant à l'aéroport. A noter que ces travaux sont prévus depuis des années et vont enfin débuter. L'installation de portiques va notamment permettre de compter le nombre de passagers et pourrait être une première étape avant la mise en place d'une billetterie automatique. Bonsoir Père Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Rédacteur en chef de Cuisi TV, du JTM de Cuisi TV. Alors Pierre, on l'a vu dans les brèves, après l'échec des assises de la dernière coopération décentralisée franco-comorienne, le président de la République Emmanuel Macron a tendu la main à son homologue comorien Azali Assoumani. Oui, effectivement. Alors on était resté sur cette affaire, sur cette annulation de ces assises de la coopération décentralisée. On en était resté là. On se souvient de l'imbroglio, du fait que le président Azali avait invité notamment le président du conseil départemental de Mayotte, le président de l'association des maires, et puis il était revenu sur son invitation. Il avait eu Emmanuel Macron, il avait à nouveau réinvité, et puis finalement, sous la pression notamment de membres de son gouvernement et aussi des médias et d'une partie de la population, il avait dû annuler cette invitation, puisque ça revenait à reconnaître Mayotte française. Donc on en était resté là, et puis on attendait beaucoup la réaction du président français Emmanuel Macron, qui avait été très ferme sur la question. Il avait expliqué que ça serait avec Mayotte ou ça ne se ferait pas. Donc on a été resté là. Et puis là, effectivement, il y a eu cet échange à l'occasion de la fête nationale de l'Union des Comores. Cet échange qui est un échange cordial, un échange courtois, où on voit qu'on est dans la diplomatie, on est loin de l'imbroglio, on a déjà oublié, on veut se projeter vers l'avant. Maintenant, il y a une grande question. Et je crois que ça va être l'un des fils conducteurs aussi de ce début de quinquennat pour Emmanuel Macron. Cette grande question, elle porte sur, effectivement, ce haut conseil paritaire qui va se tenir, sur ces prochaines réunions concernant la coopération décentralisée. Est-ce qu'il y aura Mayotte? Lequel des deux finalement va céder? Est-ce que Azali va céder et va accepter que Mayotte prenne part aux discussions et soit à la table des discussions? Ou alors est-ce que Emmanuel Macron va faire comme tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire céder et dire effectivement on discute ensemble mais sans Mayotte? Ça va vraiment être la grande question, on va suivre ça de très près, c'est l'une des affaires à suivre de ce début de quinquennat. On va être là pour la suivre parce que c'est quand même très très important. On a vu qu'Emmanuel Macron avait été très ferme, on pensait que c'était un changement, et puis là finalement on n'entend pas parler de Mayotte, on entend parler de on voit qu'il y a des liens qui sont renoués, mais on ne sait pas les termes exactement de ces liens. Merci Pierre pour votre analyse. Un mot de sport pour terminer cette édition avec le lancement ce week-end du premier camp Kadri, inauguré par Kadri Mwendadze himself, seul professionnel maoré de basket. Près de 70 enfants venus des quatre coins de l'île étaient présents pour s'initier à la discipline, avec quelques objectifs: créer des vocations et pourquoi pas détecter les futurs grands talents de demain. Le récit de Pierre Bellucci dans ce reportage tourné par les équipes de 2NZENA Studio. Ce samedi au plateau de Cavani s'est déroulée la première journée basket du camp Kadri, qui a regroupé plus de 70 jeunes de différentes catégories et de différents clubs de l'île. L'objectif de Kadri au travers de ce rassemblement est de reprendre les fondamentaux du basket avec l'aide de plusieurs coachs confirmés de Mayotte et de partager avec tous ces jeunes son expérience afin qu'ils se rendent compte que le haut niveau est aussi possible pour les Mahorais. On l'écoute au micro de Kasport. Les objectifs de cette journée, de cette année, c'est juste d'assembler les jeunes, leur montrer mon parcours, leur faire savoir que je suis là, je suis de Mayotte, je suis comme eux et j'étais comme eux. Et profiter du basket. C'est un gros gros plaisir de voir tous les enfants porter un camp qui a mon nom. Ça me fait très très plaisir. Et c'est très enrichissant des deux côtés, je pense. Ça se voit sur les yeux des enfants qui prennent du plaisir. Parmi tous ces jeunes, Abdallah est venu voir Kadri. Et il a également l'envie de s'améliorer au basket, mais cela ne semble pas facile. Pour moi, ça se passe plutôt bien, même si c'est difficile sous le soleil. Donc
ça se passe plutôt bien pour moi. Parce que j'apprends beaucoup de choses que je ne savais pas, les crossovers, tout. Après cette première journée réussie, Kadri donne rendez-vous aux jeunes amateurs de basket samedi 15 juillet à Mangajou. Deux premières journées du camp Kadri qui préfigure un projet de plus grande envergure pour l'année prochaine. Événement à suivre sur Casport. Ainsi va de l'actualité de ce lundi 10 juillet. Dans un instant, Khaled et la team Casport pour vous servir l'actualité sportive locale. Retour de l'information ce mardi dès 6h avec le journal radio de Pierre Bellucci, suivi du trio de la matinale. Je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellente soirée à tous et à demain.